Salut à tous, c'est Zitax et dans cette vidéo je vais vous montrer 3 lieux secrets. Et oui, ça faisait longtemps, donc ça fait un peu plus d'un mois que je vous en ai pas proposé. Du coup dans cette vidéo là j'ai décidé de vous en proposer pas un mais 3 nouveaux lieux. On est parti. Pour le premier endroit secret, vous allez tout simplement avoir besoin d'un cargo bob et vous rendre à l'aéroport. Donc je pense que vous savez quand même où se trouve l'aéroport sur la map. Ensuite là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement lâcher votre voiture ici. Ça c'est fait, d'accord, mon personnage avait les lacets défaits, c'est pour ça qu'il est tombé. On va directement prendre notre voiture, donc il vous faudra absolument la X80 Proto pour passer cet endroit secret. Alors, donc là, tac, ensuite. Donc là ça n'a pas trop d'importance, hein, passez là où vous voulez. Donc il faudra venir ici, donc voilà. Là, vous devrez venir tout simplement avec votre X80 Proto. Et là, normalement, regardez. Attendez. Voilà. Donc là, normalement, vous passerez à travers. Et vous allez wallbrush le bâtiment de l'aéroport, justement, pardon. Et donc là, vous êtes totalement invincible. Alors, je sais pas pourquoi ça me vise le sol. D'accord, j'ai tué un PNJ. Alors, comme vous le voyez, il y a pas vraiment les balles qui passent. C'est un nouvel endroit secret. Attendez, quelque chose qui me bloque là. Donc là non, là ça passe pas comme vous le voyez, mais franchement c'est un endroit secret qui est vraiment pas mal. Donc je sais pas si vous le connaissez, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire si vous connaissez justement ce wallbrush là. Donc là encore une fois j'ai tué quelqu'un, je sais pas comment j'ai fait. Mais j'ai tué quelqu'un. Pour le deuxième, le secret, vous devrez tout simplement avoir un insurgent et vous retrouver ici sur la map. Donc je vous montre, c'est pas loin de l'Eclipse Tower pour ceux qui se demandent. Donc votre insurgent, vous devrez tout simplement le placer comme ça. Vous allez tout simplement monter sur le capot. Là, ce que vous allez faire, c'est appuyer sur carré et courir vers la vitre. Donc là, normalement, votre personnage va tomber. Et voilà, regardez, du premier coup. Alors je peux vous dire que des fois ça ne marche pas du premier coup. Mais voilà, essayez toujours, ça marche. Comme vous le voyez là. Il faut bien placer l'insurgent, il faut bien le coller contre la vitre. Ce qu'on remarque avec ce wallbrush là, c'est que les immeubles dans GTA, ils sont bien réels. Mais malheureusement, il n'y a quasiment rien à l'intérieur. Comme vous le voyez au-dessus, il y a un appartement. Donc c'est tout simplement les appartements qui sont libres d'achat, qu'on peut acheter pour les joueurs. Autrement, il n'y a aucun PNJ qui habite dans ces immeubles-là, comme vous le voyez, vu que aucun immeuble à l'intérieur, aucun appartement est modélisé. Les balles, elles passent. Par contre, faites bien attention. Si vous allez là, dans le vide, là, vous allez tout simplement sauter. Parce qu'il y a du vide, c'est pas modélisé, et du coup, vous allez tomber dans le vide et vous allez sortir du wallbrush. Petit bonus, regardez, là, je vais sauter. Et vous allez tout simplement voir apparaître un appartement secret. Regardez, vous l'avez vu là à droite. Alors je sais pas du tout comment on peut y accéder. Peut-être avec un parachute, on va voir. Donc voilà le fameux appartement que on a vu juste avant. Donc j'ai réussi à me poser. Il est accessible en parachute pour ceux qui se demandent. Donc comme vous le voyez, c'est un appartement qui est totalement vide. Il n'y a rien dedans. C'est un appartement secret. Je sais pas qu'est-ce que cet appartement fait sous la map. Franchement, j'en ai aucune idée. Franchement, c'est cool. C'est cool d'avoir trouvé cet appartement-là. Je ne le connaissais pas personnellement. Donc comme vous le voyez, on peut pas rentrer à l'intérieur. On est juste au-dessus, mais c'est déjà bien qu'on puisse le visiter justement. Donc là par contre je suis bloqué je crois. Ouais, je peux plus remonter. Et voilà, donc là si vous tombez, bah vous tombez tout simplement dans le vide. Troisième lieu secret, vous devrez vous rendre à côté de la plage, donc exactement ici sur la map. Ensuite vous allez tout simplement avoir besoin de votre insurgent que vous allez placer comme moi dans la vidéo. Ensuite vous allez tout simplement grimper et là, vous allez tout simplement wallbrush le brèche. Vous allez tout simplement passer à travers. Alors bon, c'est pas un truc
très très intéressant à faire, sachant que les balles ne passent pas. Mais c'est toujours bien pour troll ses amis si vous faites un cache-cache, franchement. Bon, si vous autorisez pas les lieux secrets ou les wall brèches, ça va être compliqué. Mais franchement, ça peut être drôle de troller vos amis comme ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner vos avis sur les 3 lieux secrets plus le nouvel appartement qu'on a découvert justement ensemble. Alors normalement on peut sortir. Avant j'arrivais à sortir. Voilà, donc là on peut facilement sortir de cet endroit là. Donc on était là dedans hein, pour ceux qui se demandaient. Donc voilà, bah, c'était tout je pense que pour ces 3 lieux secrets dont une découverte d'un nouvel appartement. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la fin prochaine. Ciao !